Rebonjour, donc là j'aimerais vous présenter un petit test de simplement d'intégrer un vote en ligne ou un quiz, c'est au choix. En utilisant un outil de vote, on peut transformer cela, détourner en quiz à travers voilà, une application voilà, qui sera dédiée et destinée au public en ligne. Voilà, donc là. En gros, ce qu'on propose, c'est de participer au vote via un QR code. Donc là, théoriquement, avec son téléphone portable, si on prend une photo, on arrivera directement sur hop, voilà, cette page-là qui vous amène à la question. Et les gens qui vont, donc bah, je vais voter. Alors, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, comme c'est bien indiqué. Je vais simplement dire blanc. Voilà. Alors, est-ce que je mets mon nom ou pas? Oui, ça, pourquoi pas. Allez, Fabrice. Voilà, c'est pas obligatoire. Et j'envoie mon vote. Et attaque automatiquement. Vous voyez, le résultat s'est affiché ici. Donc, pour l'instant, comme il n'y a qu'un seul votant, moi-même, il y a 100% pour le blanc. Ça donne un aperçu un petit peu de ce qu'on peut avoir. Donc si je prends mon téléphone et je vais relancer un autre vote, hein, tout simplement. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais prendre en photo le QR code pour qu'il m'envoie directement à la page web, qui va m'emmener... je te rappelle mon Berlin. Pardon, la page web donc, qui va me permettre de voter à mon tour. Voilà, de nouveau, alors je vais mettre jaune par exemple cette fois-ci. Je vais envoyer mon vote, submit your vote. Et théoriquement, bah, voilà, j'arrive à la page web et je peux de la même façon transmettre mon opinion. Et là, on est à 50% en jaune, 50% en blanc, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et bah, merci. Au revoir.